Et yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chaîne, voilà, où je vais vous montrer un jeu que je viens d'acheter tout à l'heure, voilà. Alors il n'est pas encore déballé, hein. Je vais le déballer avec vous. Je vous dirai également le prix de ce jeu, parce qu'il faut savoir que là, bon, c'est les soldes et tout ça, alors je l'ai eu beaucoup moins cher. C'est un jeu avec une édition. Alors, c'est un jeu aussi que je n'ai jamais joué. Alors, je ne sais pas s'ils en ont sorti des autres auparavant. Alors, je vais vous le montrer là tout de suite. Le voici. Alors, le jeu s'appelle 2X. Voilà. Mankind Divided Edition Day One. Alors, l'édition Day One, je vais vous dire ce que c'est. Alors, voilà le jeu. Un jeu interdit aux moins de 18 ans, mais bon, tous les jeux sont comme ça, mais les jeux ne sont pas gore ni rien. Alors ça, moi je les lis jamais, je les prends jamais en compte. À l'arrière du packaging, alors de la petite boîte, on trouve ici un texte dont le téléphone ne veut pas faire de focus. Un texte qui nous dit: nous sommes en 2029 et les humains augmentent, sont désormais traités en paria, exclus de la société. Voilà, alors le petit texte qui est juste ici. C'est un jeu qui se joue également en solo. Le jeu, comme c'est dit ici, fait 40 gigas. Je sais pas si je refocus, on peut voir ça, c'est bien. Alors, regardez. Un joueur, le disque du jeu et jusqu'à 40 gigas de stockage sont requis. Du stockage et ou du matériel supplémentaire ainsi que du Xbox Live peuvent être requis pour l'installation pour certaines mises à jour. Voilà. Bon, j'ai déjà regardé à peu près une vidéo avant de l'acheter pour savoir, parce que vu le prix dont je l'ai acheté, je me suis dit peut-être que ça va être un jeu qui ne sera pas terrible. Alors j'ai voulu regarder une vidéo. Et d'après la vidéo que j'ai regardée, le jeu est quand même assez cool. Alors là, on a de la première vue. Alors c'est un jeu qui va jouer particulièrement en première vue. Avec des genres de robots, tout ça, je sais pas, on va voir. Vous pouvez voir que le jeu est totalement bien renfermé, hein, il y a tout. Du coup, on va ouvrir ça, on va regarder. La console est juste ici, au-dessus. Du coup, j'aurais juste à lever la caméra. Et vous verrez l'écran, l'installation, on va faire tout ça ensemble. Aussi, j'ai oublié de vous dire à l'arrière. Voilà, je focus. L'édition Day One comprend un pack agent secret, alors pour le skin, des missions en plus. Ici, on a... Attendez, j'ai essayé de... Refocus encore. Non, non, non. Je veux pas. Bref, ici on a un extrait numérique de la bande originale et un livre numérique. Voilà, alors c'est ce qu'on prend, ce packaging. Alors voilà. On va voir ça. Alors les gars, vu que le jeu fait 40 gigas, je vais pas pouvoir vous montrer toute l'installation, attendez tout ça. Du coup, je vais laisser l'installation faire. En fait, le but de cette vidéo, c'est déjà de vous montrer le jeu que j'ai acheté, etc. Voilà. Et je referai une vidéo tout à l'heure, dès que le jeu aura fini son installation, où je vous montrerai comment le jeu se trouve, si le jeu est bien ou quoi. Voilà. Alors, ici déjà on a toute la paperasse que je vais sortir. On a le jeu qui est juste ici. Alors rien de spécial à niveau du jeu, hein. Là les papiers. Retirez cette couverture pour prendre connaissance d'important concernant le jeu. Bref, voilà. On a un très joli CD, hein, comme la boîte. Voilà, regardez.
Très très joli CD. Pareil pour l'arrière, un très joli. Voilà, ce n'est pas griffé ni rien, voilà, on voit la console aussi dedans. Voilà. Alors ici. Ici, on a le pack qui est là derrière, où se trouve le code qui est en dessous de mes doigts. Alors, ça dit qu'il faut aller sur le site http://skek.to/. Et rentrer le code qui est juste en dessous pour débloquer la carte d'enregistrement du produit. Voilà, pour avoir tout ce pack. Alors, je regarderai à ça après. Là-dessus, rien de particulier, hein, je pense. C'est juste qu'on peut gagner une trousse, tout ça, bref. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va mettre le jeu dans la console. Comme ça, je vais lancer le téléchargement, vous allez le voir. Et une fois le chargement lancé, je couperai la vidéo et on reprendra sur une prochaine vidéo que je ferai tout à l'heure lorsque le jeu sera téléchargé. Voilà. Alors, à tout de suite. Alors les amis, nous revoilà sur la console. Alors comme vous pouvez le voir ici en bas, j'ai 205 Go pour télécharger pardon, le jeu. Voilà, parce qu'on a du 5 Go. Je vous montre un peu les jeux dont je joue. J'en ai pas énormément parce que bon, je joue particulièrement à Fortnite et GTA. Ça m'arrive de jouer un peu à Forza, mais ces deux-là, c'est assez rare. Du coup, voilà. Là, on va mettre. Bah, je vais entrer le jeu à l'intérieur de la console. Voilà. Et on va commencer le téléchargement du jeu. Voilà. Et dès que le téléchargement est fini, je couperai la vidéo. Alors, je vous remonte une dernière fois la boîte du jeu. J'espère que le jeu sera assez cool quand même. Je ne vous ai pas dit le prix, alors je vais vous en parler là tout de suite. Le jeu, je l'ai payé au prix de 5 euros. Ah ouais. Certaines personnes diront, bah, ça doit être un jeu de merde. Alors, j'ai payé 5 euros ce jeu en promotion, parce qu'il faut savoir que le jeu coûte 20 euros normal. Voilà. Alors, bon, c'est quand même 20 euros. Hein, c'est. Bah, je veux dire, c'est que 20 euros. Alors, c'est sûr qu'entre 20 euros et un jeu à 70 euros, ça sera pas non plus le même truc. Mais d'après ce qu'on peut voir au niveau des images arrière, le jeu a l'air plutôt stylé quand même. Ça va. Puis d'après ce que j'ai regardé comme vidéo, le jeu a l'air vraiment cool et pas pourri niveau texture. Du coup, voilà, j'ai payé le jeu 5 euros avec les. Comment dire? Avec les promotions. Voilà, il y a des promos, tout ça. Du coup, voilà. Alors là, le jeu ne s'est pas installé. Alors, je pense qu'il va falloir que je refasse ça. Voilà. C'est ça. Je refasse ça. Et je le remette. Voilà, là j'entends la console qui charge. Voilà. Et ici vous pouvez voir qu'il y a une installation. Voilà. Qui est en route. Alors je vais vous montrer combien ça va prendre 2 gigas. Tout ça. Alors en file d'attente, on clique dessus. Ah, on clique pas dessus, on attend. Il y a une mise à jour qui va se mettre, non? En file d'attente, alors. Il y a. Voilà, là ça vous dit de mettre à jour le jeu maintenant ou plus tard. Alors là on va faire mettre à jour maintenant, comme ça au moins on sera tranquille. Et là ça va lancer la mise à jour normalement. Voilà, ça l'a lancé puisque 205, je suis passé à 166 Go. Du coup, j'attends que tout se marque, que vous voyez combien de gigas ça prend et tout ça. Et on arrêtera sur cette vidéo et je vous reprendrai dans une nouvelle vidéo par rapport au jeu.
dans où on fera le test, les premières missions, on découvrira le jeu ensemble. Alors voilà les amis. On peut voir que le jeu lui en lui-même fait 29 gigas. Et le réseau fait 11 gigas. Bah 12 gigas plutôt. Ce qui nous donne un total de 40,96 gigas. Voilà. Alors c'est assez énorme comme giga. Parce qu'il faut savoir que GTA fait quand même 56 gigas lui. Alors c'est pour ça qu'il faut une console de 500 gigas. On va dire que c'est pas assez. Pour Xbox, pour tout Xbox One, ce n'est pas assez. Maximum, on peut télécharger 10 jeux, mais en comptant des jeux de pas beaucoup, parce que moi, il faut savoir que tous les jeux qui sont là tournent aux environs des 30 à 50 gigas. Déjà, ces deux-là font 50 gigas, celui-là en fait 40, celui-là, je crois qu'il en fait une trentaine, je crois, Fortnite. Et ces deux-là, ils doivent en faire 20 ou 30 aussi. Voilà. Alors le jeu s'est lancé. Voilà. Je vous reprendrai, ben je referai une vidéo quand le jeu sera fini, parce que là il y en a au moins, je pense, pour une bonne une heure, un bon 1 heure, 2 heures de téléchargement. En tout cas, j'espère que cette vidéo déballage vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si vous souhaitez. Voilà. Vous avez mon gamertag qui se situe ici juste en haut. Voilà, alors il est ici. Ou vous pourrez m'ajouter sur la console. Vous voyez l'image en même temps. Comme ça, moi, vous pourrez me trouver. Je fais des vidéos particulièrement pour les personnes qui ne me connaissent pas sur Fortnite, GTA. Et là, je vais faire du coup une vidéo sur le nouveau jeu que j'ai acheté. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis ciao et à tout à l'heure pour la nouvelle vidéo sur la découverte de ce jeu. Bye bye tout le monde.